Gloire à Dieu. Prions ensemble. Père céleste, nous te rendons grâce de nous avoir ramenés ici ce soir pour écouter de ta parole. Nous demandons que tu nous accordes l'assistance et le soutien, l'illumination du Saint-Esprit afin que ta parole soit rendu clair, applicable et profitable à tout le monde ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que tout ce qui proviendra de ta parole, de l'explication, de l'interprétation, de l'application, aille directement au cœur de chaque croyant au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui ne te connaissent pas, que la parole réveille tout le monde, afin que nous ayons les regards sur Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur, et qu'il ait la foi pour les connecter au Seigneur, pour leur salut au nom de Jésus, pour les faibles et pour ceux qui rétrogradent. Je prie que ta parole ravive l'esprit de tout le monde au nom de Jésus-Christ. Bénis tout le monde. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Ce soir, nous allons aborder 1 Corinthiens chapitre 9. Ouvrez votre Bible s'il vous plaît et nous allons étudier du verset 1 au verset 15. Mais je vais commencer par le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Comme nous venons au commencement de ce chapitre, c'est-à-dire du verset 1 au verset 15, vous allez voir beaucoup de questions posées par l'apôtre Paul aux frères de Corinthe. Parce qu'il y avait quelques-uns d'entre eux qui doutaient ou qui interprétaient mal la position et la place de l'apôtre Paul. Ils ont fait bien de comparaison charnelle, Paul, Apollos, Pierre, le planteur, l'arroseur et celui qui les a amenés au Seigneur. Et celui qui faisait de des disciples, et à cause de ces comparaisons, l'apôtre Paul voudrait rétablir l'appel de Dieu, et la mission de la parole et le ministre et sa prédication à eux. À cause de cela, il allait parler de son engagement à la vision céleste. Et ce faisant, il a parlé directement à leur cœur. Et si on voit ici, il dit, ne suis-je pas apôtre? Il ne devait pas leur poser cette question. S'ils ont respecté son apostolat et qu'ils ont répondu proprement dit, comment ils devaient répondre à cela? Alors il leur a posé la question, pensez à ceci et ressassez. Ruminez ceci dans votre esprit, ne suis-je pas le messager, l'apôtre? L'apôtre est un messager, sa commission, il avait été envoyé avec une mission, il a été envoyé vers une assemblée, il a été envoyé vers une communauté, vers un pays, vers beaucoup de nations. Et dit que ne suis-je pas apôtre? Vous rappelez bien, le Seigneur l'a envoyé à Corinthe, le Seigneur lui disait, ne crains pas parce que j'ai beaucoup de personnes dans ce lieu-là, dans cet endroit. Le Seigneur l'avait envoyé à ce lieu et à plusieurs endroits. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? Ne dois-je pas ne dois-je pas passer mon temps comme je dois le passer? Ne dois-je pas avoir la liberté et de prêcher, faire ce que je veux? Ne dois-je pas, sinon,
prêcher quand je veux le faire, dormir quand je le veux? Ne suis-je pas libre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? Vous pensez à Pierre, Pierre a vu le Seigneur. Après être ressuscité du Seigneur, vous pensez de Jacques, il a vu le Seigneur après être ressuscité des morts. Il dit que si vous me comparez à ces gens, Paul a dit que n'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? Et n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Ils ont regardé l'église de Corinthe, regardé chaque individu, comment vous êtes converti, n'est-ce pas moi qui me suis donné à la prédication de la parole et vous avez goûté l'œuvre de la grâce et vous êtes sauvés? Pensez à chaque famille, pensez à toute l'église et dit, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Il allait leur parler et il allait les illuminer de l'engagement exemplaire qu'il avait à la vision céleste. C'est ce dont nous parlons ce soir. Nous avons comme thème l'engagement exemplaire à la vision céleste. Le message est divisé en trois parties. Et premier point, c'est le questionnaire pour une stature apostolique appropriée. Lorsque vous voulez aller à un entretien et vous voulez pour obtenir un emploi, On donne un questionnaire. On voudrait savoir votre nom, votre date de naissance et votre lieu de provenance. On voudrait savoir votre niveau d'éducation. Et on voudrait savoir et votre CV. On veut connaître vos expériences avant de vous employer. On appelle cela le questionnaire. Et l'apôtre Paul dit, allons voir le questionnaire, ma date de naissance dans le Seigneur, le fait que j'ai vu le Seigneur, mon engagement, ma consécration au Seigneur, les lieux que j'ai visités, les œuvres que j'ai faites, mes expériences que j'ai faites, et là, où j'ai eu Jésus comme mon sauveur, comme mon berger, que Jésus est celui qui porte mes péchés, Jésus est mon substitut, Jésus est celui qui m'a envoyé et qui m'a donné une œuvre à faire. Le questionnaire pour une stature apostolique appropriée. Vous pouvez dire la même chose. Si vous êtes membre du corps de Christ, et vous pouvez dire que je suis né de nouveau, je me suis repenti, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai fait face à la persécution, j'ai fait face à des persécutions, et par la grâce de Dieu, j'ai tenu bon, et je prêchais, j'évangélisais. Vous pouvez aussi remplir votre questionnaire. Si vous êtes ministre de l'évangile, le questionnaire est devant vous à remplir. Vous pouvez dire que voici le temps où j'ai donné ma vie au Seigneur, voici le temps où j'ai été sanctifié, voici le temps où j'ai été baptisé, rempli du Saint-Esprit, et voici le premier lieu où j'ai servi le Seigneur comme un leader de salut de maison, comme dirigeant de zone, comme pasteur, comme un pasteur national, pasteur régional. Voici ce que j'ai fait et voici mon questionnaire, voici mes convertis. Ce frère-là, il est encore debout dans le Seigneur. L'autre est encore ferme dans le Seigneur. Vous pouvez remplir le questionnaire pour votre stature apostolique appropriée. Et l'apôtre veut seulement dire un envoyé. Et deuxième point, c'est les questions sur l'économat désigné de Paul. Il servait le Seigneur, il avait le service dans l'église, il avait le service partout. Et son économat, alors maintenant il répondait aux questions au sujet de son économat désigné. Il savait ce à quoi le Seigneur l'a appelé. Il pouvait dire que par la grâce de Dieu, oui, j'ai fait cela de tout mon cœur, j'ai fait cela de tout mon sérieux, avec fidélité. Et il pouvait remplir toutes les questions, mais les réponses à ces questions, même les Corinthiens. Comme il leur a posé la question, divers questions, on va au troisième point qui est la qualité d'un sacrifice approuvé et pratique. La qualité d'un sacrifice approuvé et pratique. Pratique, visible. Pratique et facile à voir. Pratique et vérifiable. L'apôtre Paul a commencé à parler du sacrifice approuvé qu'il a offert au Seigneur.
Et je prie que ce que nous considérons aujourd'hui, comme cela était véritable par rapport à la parole, que cela soit véritable de vous. Et que l'Esprit de Dieu vous conduise. Et que l'Esprit de Dieu vous fasse avancer, que vous aussi, que vous ayez un appel approprié, un engagement approprié, une consécration appropriée. Et que vous soyez fécond au nom de Jésus-Christ. Je serai fécond. Puisse le Seigneur nous rendre féconds au nom de Jésus-Christ. On va au premier point. Premier point, nous avons le questionnaire pour une stature apostolique appropriée. Nous abrassons 1 Corinthiens chapitre 9, versets 1 et 2. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre, vous chrétiens corinthiens, vous membres de l'église de Corinthe, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Verset 2 dit, si pour d'autres je ne suis pas apôtre, certainement il était apôtre de l'église aux Thessaloniciens, il était apôtre à l'église de Philippe. Alors, c'est là qu'il était emprisonné après avoir chassé le démon. Alors, il était apôtre aux Éphésiens et comme il voit toutes les épîtres qu'il a écrites, il leur a écrit en tant qu'apôtre selon la volonté de Dieu et un apôtre par la parole de Dieu. Et dit, si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins, oublions les autres, je le suis au moins pour vous. Un apôtre pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Maintenant, l'apôtre Paul, alors va nous donner divers domaines de sa vie, les sections de sa vie, l'assurance de sa vie et l'évidence de sa vie, que vous saurez, que je sache que les Corinthiens vont se rappeler que le Seigneur l'a appelé et qu'il avait, oui, une stature apostolique appropriée. Oui, il n'était pas moins que l'apôtre Pierre, que l'apôtre Jean, que l'apôtre Jacques ou que d'autres apôtres. Il avait une stature apostolique appropriée. Alors, comment était-il appelé? On va aux Actes. Actes, chapitre 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anania. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Anania, il répondit, me voici Seigneur. » Verset 11. Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Le Seigneur a mentionné son nom. Il n'était pas quelqu'un qui s'est auto-nommé. Il a couru, mais le Seigneur l'a nommé. Le Seigneur lui a montré là où il était indiqué. Le Seigneur lui a dit quand il prie, ouais, il priait lorsqu'il a rencontré le Seigneur. Et il a prié lorsqu'il a rencontré le Seigneur. Verset 12, quand il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Anania qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Anania répondit, 13, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Anania ne savait pas que Paul, Saul, s'était soumis au Seigneur, que Saul est transformé, il est changé, que Saul est devenu une nouvelle créature en Christ. Il regardait Saul de Tarse comme l'ancien homme, l'ancienne nature, avec l'ancienne vie, un pécheur, une personne méchante, et dit, « J'ai appris. » Tout le mal que cet homme a fait. Ouais, le mal qu'il a fait était pardonné et oublié. Et verset 14 dit, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. C'est ce qu'avait dit Anania. Et 15 dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi
va. Alors c'est un homme qui s'est connecté avec moi maintenant, va. Alors il est converti maintenant au Seigneur, va maintenant. Il est purifié et il est un instrument purifié. Alors je l'ai choisi, alors il m'appartient maintenant. Il est maintenant dans le royaume pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Donc, nous apprenons au sujet de sa naissance spirituelle. Et il peut dire que voici là où je me suis converti et là où ma vie est changée. Et je vous pose la question, avez-vous le souvenir de votre nouvelle naissance? Avez-vous le rappel de comment vous êtes converti, comment vous êtes connecté avec le Seigneur, comment vous êtes converti au Seigneur? Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous pouvez dire aux Corinthiens, à l'église, comment votre vie est changée, comment vous êtes devenu un nouveau converti, une nouvelle créature en Christ, totalement transformée, une personne changée, et que le Seigneur peut rendre témoignage de vous que vous êtes un instrument choisi? On va au chapitre 22, acte 22, 12. Alors, il relatait ce qui était arrivé au temps que Anania était venu et ce que Anania est venu et Anania, acte 22, 12. Or, un nommé Anania, homme pieux selon la loi et de qui tous les juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. 13. Et me dit, Saul, mon frère, il a reconnu mon salut, il a reconnu le changement. Même Anania, là, un croyant réputé parmi les juifs, est entré et l'a appelé Saul, mon frère. Il savait, le Seigneur lui a parlé de mon salut, il a dit, recouvre la vue. Et que même j'ai reçu le miracle du salut, j'ai reçu le miracle de guérison. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Verset 14 dit, et dit, le Dieu de nos pères, ta destinée, le Dieu de nos pères, ta destinée, le Seigneur Jésus-Christ l'a sauvé et l'a choisi. Et le Dieu le Père l'a choisi aussi. Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à connaître sa parole, à connaître la plénitude de l'évangile, à connaître le mystère de l'évangile qui a été caché depuis le commencement du monde, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Voilà le verset 15. Verset 15. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Oui, et donner aux Corinthiens sa vie et comment il a connu le Seigneur, comment il servait le Seigneur et comment son appel n'était pas un hasard. Quoique les croyants craignent, craignent de se connecter avec lui, le Seigneur Jésus lui-même est venu à lui disant que le Père m'a choisi et Dieu, le Père aussi m'a choisi, Dieu le Fils m'a choisi. Acte 13, acte chapitre 13 et verset 2. Pendant qu'il servait le Seigneur dans leur ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit. Ouais, le Père, ouais, le Dieu le Père l'a choisi, le Seigneur Jésus l'a choisi, le Saint-Esprit maintenant dit, et le Saint-Esprit maintenant dit, mettez-moi par Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il a été appelé, choisi et commissionné. 3, verset 3 nous dit, alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Le verset 4 nous dit, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent. Envoyés par le Saint-Esprit. Un apôtre est un envoyé. Envoyé avec une commission, envoyé avec un message, envoyé pour accomplir, pour remplir une mission. Et il a un ministère. Et c'est dit maintenant que, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la. Alors, ils savaient maintenant que le Seigneur l'a affirmé, l'a confirmé, l'a investi pour être un apôtre, un envoyé.
on va aux Romains, Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour un homme, mis à part, dévoué, mis à part, consacré pour annoncer l'évangile de Christ. Alors c'est très clair, l'apôtre Paul a rempli son questionnaire, il a commencé par leur parler depuis sa nouvelle naissance jusqu'au temps où il a été appelé, jusqu'au temps où il a été commissionné. Et maintenant, alors, il s'est totalement mis à part pour son apostolat, son ministère. Verset 5 nous dit, « Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. » Nous avons reçu la grâce, nous avons aussi reçu l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. C'est-à-dire, et on va à 2 Corinthiens chapitre 12, nous lisons le verset 11. Si quelqu'un va devenir un apôtre dans le vrai sens, commissionné par le Seigneur, envoyé par le Seigneur, alors l'une des qualités ou des qualifications de ces apôtres, c'est que l'apôtre, les apôtres ont vu le Seigneur Jésus-Christ et le sceau, ou bien le signe de l'apostolat était rempli en eux. Alors si quelqu'un sort sans aucun signe, sans aucune merveille, et il se déclare apôtre, mais on dit où est ton sceau, où est ton signe? Un apôtre doit avoir un signe. Deuxième apôtre, 2 Corinthiens 12, 11. J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien, et que en moi-même je suis rien. Mais quand vous pensez à cela, comme le Seigneur appelait Pierre, Jean, Matthieu et les autres, il m'a aussi appelé, comme le Seigneur les a commissionnés un à un, le plus grand des apôtres, le Seigneur m'a appelé aussi, comme le Seigneur les a et les a investis de pouvoir de chasser les démons et ressusciter les morts, chasser les démons, il m'a appelé aussi, il m'a aussi, il est aussi de même pour moi. Je vous ai dit, c'est que sans aucun doute, et que les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous, par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Ouais, comme on voit l'apôtre Paul, vous allez voir tous les dons de l'esprit opérant dans sa vie et toutes les œuvres de miracles s'opérant dans son ministère. Et que ce soit dans le ministère de Paul, dans le ministère de Pierre, dans les autres apôtres, il y a les signes des apôtres et qui s'opèrent dans leur vie. Et les signes, et il y a des signes, des prodiges et des miracles. On va au Galates. Galates chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts. Ouais, l'assurance ici. Ouais, la certitude ici. Ouais, ici. Et la façon persuasive qu'il parle ici. Je suis apôtre. Je ne suis pas appelé par un homme, je ne suis pas allé à Jérusalem pour être ordonné par un homme pour être apôtre. Je ne suis ni allé à Pierre ni à Jean pour m'imposer les mains pour me commissionner d'être apôtre, même dans l'église d'Antioche. Ce n'était pas un comité qui m'a interviewé, mais le Saint-Esprit a parlé directement et avec toute cette assurance et avec toute cette évidence. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts. Verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce,
qui m'a appelé, même moi, qui m'a appelé l'apôtre Paul, a dit par sa grâce, verset 16, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens aussitôt, parmi les païens, parmi les incroyants, parmi les gens où Christ n'a pas été mentionné parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Il disait, est-ce que vous vous rappelez Pierre? Lorsque le Seigneur l'a appelé, il a quitté, il a abandonné ses filets, il a suivi le Seigneur aussitôt. Vous vous rappelez bien, lorsque Christ a appelé Jean et Jacques, ils ont abandonné leur père Zébédée dans la barque, ils ont abandonné leur filet, ils ont suivi le Seigneur aussitôt. Et que la même chose m'est arrivée lorsque le Seigneur m'a appelé par sa grâce, qui dit que je ne consultais. Je ne consultais ni la chair ni le sang. Aussitôt, il a répondu que il est un apôtre. Il est un apôtre. On va au Galates chapitre 2, verset 7. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis. Voilà le verset 8. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, alors il se référait aux Juifs. Pierre était envoyé aux Juifs et le Seigneur a agi efficacement, a fait efficacement dans sa vie envers les Juifs. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Il n'y a pas de doute donc qu'il était appelé, il était commissionné, il était engagé, consacré à ce ministère des apôtres. 1 Timothée 2, 7, et pour lequel j'ai été établi prédicateur, et que mon ordination n'était pas de la part des séminaristes, des théologiens, c'était le Seigneur lui-même qui m'a ordonné, c'est lui qui m'a choisi, c'est lui qui m'a établi, qui m'a mis au lieu que je dois être. Et dit ici que, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, et chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Et alors, un apôtre, un enseignant chargé d'instruire les païens dans la vérité et la vérité. Pourquoi a-t-il dit cela? Voyons 2 Timothée, de Moïse, chapitre 1, verset 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur. Il n'y avait pas de doute dans l'appel, dans la commission, dans la consécration de l'apôtre Paul. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. 1 Corinthiens chapitre 4, nous lisons le verset 15. Qui dit? Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, vous les Corinthiens. Vous pourriez avoir plusieurs maîtres, des milliers d'entre eux, mais vous n'avez qu'un seul père qui vous a engendré, qui vous a amené dans le royaume pour devenir citoyen du royaume. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. On va à 2 Corinthiens 3, verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part, comme je viens à vous à Corinthe? Ai-je besoin d'une lettre de recommandation depuis Philippe, une lettre de recommandation de la Thessalonique? Ne me connaissez-vous pas? Ne m'avez-vous pas vu le jour de votre nouvelle naissance au royaume de Dieu? Et le verset 2 dit, c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans notre cœur, dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Le
Et vous êtes manifestement une lettre de Christ. Oui, quand les gens vous voient, vous les Corinthiens, et votre expérience dans le Seigneur, ils voient votre stature, votre position dans le Seigneur et les dons de l'Esprit. À Corinthe, ils savaient, ils voient le sceau de notre ouvrage en vous. Verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Il leur disait que si vous amenez le questionnaire au sujet de ma position apostolique, je peux tout remplir. Depuis le temps où le Seigneur m'a rencontré en route vers Damas et les expériences qui ont suivi, les œuvres que j'ai faites, vous pouvez dire oui à toutes choses parce que vous pouvez attester à tout ce que je vous dis au sujet de ma relation avec le Seigneur et la révélation que j'ai eue du Seigneur. C'est le questionnaire pour une stature appropriée venant de l'apôtre Paul. On va au deuxième point maintenant. Au deuxième point, nous avons les questions sur l'économa désigné de Paul. On retourne à 1 Corinthiens chapitre 9, 1 Corinthiens 9, 3. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Évidemment, de cela, il y a des gens qui lui posaient des questions au sujet de sa position, au sujet de sa statue, au sujet de son service, au sujet du sacrifice de l'apôtre Paul. Et il dit que je vais vous répondre. Alors vous m'accusez, vous m'investiguez, vous enquêtez sur moi, vous posez des questions sur moi, où est-ce que j'ai été, ce que je fais et l'autorité que j'ai pour faire ce que je fais. Voici ma défense, voici ma réponse. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Verset 4. Alors, vous allez espérer que l'apôtre Paul donnerait une réponse qui donne un point final. Mais l'apôtre Paul a répondu à leur question par une question. Et cette question qu'il a posée les conduirait à la réponse. C'est que voici ma réponse. Verset 4. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Alors, il jeûnait plusieurs fois et il souffrait de faim. Il voyageait par-ci, par-là. Que n'avons-nous pas le droit, de prendre une pause, de nous reposer quelque part? Il répondait à leur question. Est-ce qu'il est réellement un apôtre? Est-ce qu'il est réellement commissionné? Est-ce qu'il est réellement quelqu'un qui fasse l'œuvre de Dieu? Alors, il répond par la question. Il répond la question par la question. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? 5. Une autre question pour répondre à leur question. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur, c'est-à-dire une femme, c'est-à-dire quand ils voyagent? Parce qu'il n'était pas marié, il voyage tout seul. Et que, qu'est-ce que vous croyez que je dois voyager tout seul? Que pourquoi je ne me suis pas marié? Que je vais seulement avec Barnaba? Que je suis libre de me marier si je veux prendre une femme? Paul a dit, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il était si engagé à l'œuvre de Dieu que il a été. Il dit, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur, une femme qui soit notre femme? Comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et s'efface. Tandis Pierre, lorsque Pierre voyage, je vois, Paul disait que Pierre voyage avec sa femme. Je pourrais faire de même. Verset 6, c'est dit. Ou bien, est-ce que moi seul et Barnaba, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Paul dit, il travaillait en tant que faiseur de tente à travers cela. Il travaille nuit et jour pour subvenir à ses besoins. Cependant, il prêchait partout. Alors, il ne ratait aucun rendez-vous. Alors, il ne séduisait
personnes, ils ne produisent, ils ne prenaient des gains matériels ou bien une rémunération de l'église de Corinthe. C'est pourquoi ils disaient que, ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Et 7. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Alors, il répondait à leur question. Un apôtre, est-ce qu'il est vraiment consacré? Est-ce qu'il est vraiment engagé? Et il répondait à cela, ceux qui l'accusaient. Alors, il répondait à leur question par une question. Et dit, qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Et que je ne prenais pas votre argent, je ne prenais pas ce que vous avez. Est-ce normal? Est-ce que c'est ce que tout le monde fait? Qui plante et ne mange pas du fruit de la vigne? Qui a un troupeau et ne prend pas du lait du troupeau? Vous voyez, question sur question. Alors, toutes ces question-là, il en a fait usage pour répondre à les accusations portées contre lui. Sachez ce que je dis, n'existe-t-elle que, c'est une autre question, dans les usages des hommes, la loi ne les dit-elle pas aussi? 9 dit, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Dieu, est-ce qu'il prend soin des animaux? Est-ce qu'il ne prend pas soin de nous, ministres de l'Évangile, les prédicateurs de l'Évangile, les apôtres qu'il a envoyés? Dieu se soumet-il en peine des bœufs? Verset 10. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Question sur question. Alors, les questions devaient répondre à leurs questions. Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. C'est-à-dire qu'ils doivent moissonner le fruit de l'œuvre qu'ils faisaient. Vous voyez que l'apôtre Paul alors, a fait ceci en plusieurs de ces épîtres, en répondant les questions par des questions. Et puis, la réponse sera évidente à tout le monde. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 5. 1 Corinthiens chapitre 3, nous lisons le verset 5. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru? Selon que le Seigneur l'a donné à chacun, il répondait à leurs questions parce qu'il élevait Apollos, que je suis de Paul, je suis d'Apollos. Il essayait de résoudre ce problème en les amenant à l'unité, à la communion, en les amenant à respecter chaque ministre comme il le devait. Il a fait cela par le questionnement que qui est Paul, qui est Apollos. Alors ils sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Et le verset 10 nous dit que selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Allons au chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, nous lisons le verset 22. 2 Corinthiens 11, le verset 22. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Alors, ils répondaient leurs questions. Ils disaient que de quelle manière suis-je inférieur à l'un des apôtres? Que pensez à ceci? Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Voilà le verset 23. 23 dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. J'ai voyagé plus que tous. J'ai vu
tant de choses plus que j'ai été emprisonné plus que chacun d'eux. Et j'ai enduré, j'ai expérimenté des naufrages plus que chacun d'eux. Et j'ai été battu et j'ai été dans l'abîme. J'ai été avec des faux frères, j'ai été avec des juifs et partout je me trouve. Alors là où Christ n'a pas été mentionné, alors que je ne veux pas aller et dire. Et sont-ils les ministres de Christ? Je parle en homme qui est travague. Je le suis plus encore par les travaux bien plus, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. Il est convaincu de son apostolat par les questions alors qu'il leur posait. Verset 29. Qui est faible? Que je ne sois faible. Non seulement à Corinthe, à Thessalonique, à Rome, en Éphèse, à Philippe, à Colosse, à Laodicée, à tous ces lieux. Alors, ceux qui n'ont pas vu mon visage, je leur écrivais. Et quand ils sont faibles, quand ils souffrent, quand ils sont persécutés, alors j'ai prouvé la douleur avec eux. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. 30. Verset 30. Et s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. 31 dit, il dit, Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. Il parle de lui-même et dit, avec toutes les questions que vous posez, voici ma question à vous. Et qui a souffert comme apôtre plus que moi? Qui a œuvré plus que les autres apôtres que moi? Alors, qui a voyagé d'ici et là plus que moi? Alors, il est convaincu que lorsqu'il a eu le ministère, la commission, alors il y met tout son cœur, toute son âme dans le ministère auquel Dieu l'a appelé. Alors, il va leur demander, mais pourquoi vous n'êtes pas appréciatif? Pourquoi vous ne reconnaissez pas tout ce que Dieu m'a appelé à faire? Galates 4, il va encore poser la question au sujet de son engagement, au sujet de sa réponse, de sa réaction à son engagement. Galates chapitre 4, nous lisons le verset 15. Où donc est l'expression de votre bonheur? Question sur question. Où est donc l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Et dit, lorsque je suis venu à vous la première fois et je vous prêche l'évangile, vous voyez que Jésus-Christ est sauveur, qu'il n'y a aucun autre chemin. Seul Jésus peut sauver et vos yeux étaient ouverts. Que je n'ai rien vu, rien de pareil dans l'Écriture. Je n'ai rien entendu de pareil dans une religion. Vous êtes venu, vous êtes né de nouveau. La paix qui est entrée dans votre cœur, la nouvelle vie que vous avez reçue et la nouvelle vision, la nouvelle révélation qui vous est parvenue, vous êtes vraiment béni que vous l'avez exprimé. Maintenant, verset 16 dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Pour les autres amènent la circoncision, d'autres amènent la loi juive, la religion juive, et moi je parle de Christ, que Christ est tout en tout, je parle de Christ, que Christ est le chemin, que Christ est la porte, que Christ est le berger. Il est la seule voie pour être sauvé, le seul chemin pour demeurer sauvé, le seul moyen pour entrer dans le royaume céleste. C'est Christ et Christ tout seul. Alors c'est la vérité. Alors suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Revenons au verset 15 qui dit, où donc est l'expression de votre bonheur? Pourquoi vous êtes froid dans votre réaction envers moi? Pourquoi n'êtes-vous pas une bénédiction, un encouragement, une édification pour moi comme vous l'étiez? Je suis devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité. Alors, j'ai souffert afin que vous ayez
toute la plénitude de l'évangile. Alors il essayait de les ramener là où ils devaient être. Maintenant il nous dit maintenant en 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 19. Encore une question. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? L'apôtre Paul disait que c'est notre joie, notre espérance, notre couronne de gloire. Que regardez ma vie, Paul, et que comme vous voyez Paul, tous ses amis sont dans le judaïsme, alors il les a oubliés. Tous ses amis dans la religion juive, il les a abandonnés. Il n'avait plus d'amis parmi les juifs. Ceux qui étaient ses amis, alors, étaient devenus ses ennemis, même ses compatriotes. Les gens qui disaient que c'est notre fils, Saul, alors il est militant, alors il est lutteur pour la religion de nos pères, alors ils l'ont abandonné. Il n'avait personne, il n'avait pas d'amis, il n'avait pas de connaissances, il n'avait pas d'intime, il n'y a plus de rapport avec les anciens amis, avec l'ancienne vie. Alors la seule joie, c'est les gens qu'il a amenés au Seigneur. C'est pourquoi il leur demandait que vous là. Alors, j'ai abandonné mes amis. Alors, je n'ai plus de connexion avec mes compatriotes. Je n'ai plus de connexion avec Tarse, d'où je suis provenu. Je suis issu. Même si je vais là-bas, ils vont essayer de me lapider parce que j'ai tout abandonné à la prédication de l'évangile. Et la prédication de l'évangile, c'est la folie à eux. Alors, ils ne vont pas l'accepter. Maintenant, si je me suis associé seulement avec l'Église, je me suis associé seulement avec les gens que j'ai amenés au Seigneur Jésus-Christ, alors où est mon espérance? Où est ma joie? Où est ma couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Verset 20. Voici, vous êtes notre gloire et notre joie. Il dit que il n'y a pas de satisfaction en d'autres lieux. Et je peux aller d'autres lieux. Je suis ici pour vous et pour vous seuls. Et si je dois avoir une espérance, une joie, un bonheur, cela doit provenir de vous. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Et allons maintenant au troisième point. Troisième point, la qualité d'un sacrifice approuvé et pratique. La qualité d'un sacrifice approuvé et pratique. Nous retournons à 1 Corinthiens chapitre 9. Nous lisons le verset 11. 1 Corinthiens 9, verset 11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire? Si nous moissonnons vos biens temporels, les biens spirituels, les biens temporels, qu'est-ce que cela veut dire? L'apôtre Paul dit, si nous avons donné des choses spirituelles, alors vous avez maintenant l'espérance du ciel, nous avons donné les choses spirituelles, vous avez le salut, nous avons semé parmi vous, vous avez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, nous avons donné les choses spirituelles, vous avez la puissance du Saint-Esprit, et nous avons servi des choses spirituelles. Vous avez maintenant une demeure au ciel, une demeure dans la gloire. Maintenant, il dit que il y a de grandes choses. Y a-t-il quelque chose de spectaculaire? Si nous n'avons pas une maison où nous loger, nous avons une demeure où vous avez une mansion. Alors, nous avons donné des biens spirituels et nous avons donné une nourriture qui vous rende fort, qui vous prépare pour le ciel. Est-ce quelque chose si nous donnons la nourriture physique pour garder le corps, et si nous venons à vous, nous avons cette nourriture, mais nous avons donné la joie du salut, nous avons donné la joie qui vous fait avoir le nom au ciel. Est-ce une grande chose? Et si votre communion, votre amitié, si notre arrivée ici, c'est que nous ayons la joie et les choses temporaires, si nous avons servi pour vous préparer pour le ciel, est-ce une grosse affaire?
de contribuer à notre joie ici sur la terre? C'est la question qu'ils leur posaient. Et vous pouvez penser à la même chose entre vous et votre pasteur, entre vous et vos dirigeants, entre vous et vos ministres. Lorsque vous êtes sauvé, alors lorsque vous êtes malade, lorsque vous avez un problème, il organise la prière et il prie pour vous. Et lorsqu'il est malade, lorsqu'il est seul, lorsqu'il a un défi, lorsqu'il est souvent dans un trouble, vous restez dans votre problème, vous dites, est-ce que je me demande qu'est-ce qui se passe à notre dirigeant, qu'est-ce qui se passe à notre pasteur, quand est-ce qu'il va venir au district et puis nous réveiller encore? Alors tout ce que vous voulez, c'est de recevoir de lui. Est-ce que vous lui avez donné quelque chose, un amour, de façon pratique, la nourriture, les biens matériels et les choses temporelles? Alors dès que nous nous ont servi des choses spirituelles, ou bien seulement vous les voyez seulement sèches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force, même lorsqu'il pourrait même se montrer faible et malade, vous voulez que vous dites que on vous attend, quand est-ce que tu vas faire ceci, quand est-ce que tu vas faire cela? Nous devons comprendre ce que l'apôtre Paul disait. Il disait que nous sommes tous des humains et au fait ils disent que nous avons beaucoup de problèmes, que nous sommes opprimés en dehors de tous et nous étions même auprès de la mort. Mais Dieu de toute consolation est venu nous donner la consolation. Et puis il s'est encore mis sur pied pour prêcher, mais que vous pouvez aussi jouer votre rôle. Si nous nous sommes vendus à vous, nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire? Est-ce une chose étrangère? Est-ce une chose terrible? Si nous moissonnons vos biens temporels, verset 12, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Et que n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Si les gens que vous ne savez pas, vous les écoutez à la radio, vous les voyez sur l'internet, et ils parlent de ci, ils parlent de ceci, et ils disent que nous bâtissons une cathédrale. Vous ne connaissez pas leur style de vie, vous ne connaissez pas toutes leurs doctrines, mais ils parlent de façon motivante et vous mettez votre main dans la poche et vous leur envoyez un chèque, mais vous ne donnez pas à votre église. Et disent, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas nous le numéro un dans votre pensée, dans votre esprit? Ne dois-je pas être nous les numéro un? Ne devons-nous pas être le numéro un, notre église le numéro un? N'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout. Nous savons que vous avez la nourriture, mais nous souffrons. Nous souffrons la faim, on n'en parle pas. Nous savons que vous avez des habits, mais nos enfants ne sont pas bien vêtus, mais on n'en parle pas. Nous savons que oui, vous êtes bien fort. Nous, on est là avec problème de santé, mais on bricole. Mais nous avons la possibilité de contribuer à votre vie afin que vous courez très bien. Néanmoins, nous ne faisons pas usage de tout ce droit. Vous, Corinthiens, vous ne jouez pas votre rôle. Vous, Corinthiens, vous ne montrez pas aucune appréciation à la façon dont vous devez faire cela. Nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Est-ce que vous ne savez pas que les Lévites qui servent alors les choses sacrées, et eux aussi doivent prendre part et doivent aussi être encouragés et afin de ne souffrir d'aucune manière parce qu'ils se sont engagés, ils ont consacré leur vie à servir le Seigneur, et dire que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel, tandis que ceux qui ont abandonné leur œuvre, leur travail, leur boulot séculier, ils ont abandonné les choses dont ils peuvent se servir dans ce monde
pour faire une bonne vie. Alors, les choses que derrière lesquelles vous courez, vous avez terrain ici, vous avez maison ici. Il y a certains d'entre nous ici, nous sommes consacrés en plein temps. Et tout ce que nous avons fait, nous avons pour servir le Seigneur. Vous dites que l'Église nous paie. Oui, l'Église nous paie. Combien l'Église nous paie? Et vous devez comprendre que oui, ces ouvriers, en plein temps, ils se sont sacrifiés. Alors, ils ont un engagement à cause de la vision. Avant que vous n'ayez à la réunion, certains d'entre eux seront déjà ici des heures avant que vous ne, voyez, vous ne soyez ici. Ils doivent mettre ceci en place, ceci et cela, parce qu'ils veulent que les choses soient prêtes avant que vous n'arriviez. Et après le culte, vous devez rentrer chez vous. Ils doivent rester à la maison. Ils doivent rester derrière ici. Faites ceci, faites ceci, faites cela, faites cela, pour que les choses soient bien préservées et qu'à la prochaine, alors vous dites que gloire à Dieu, notre église est merveilleuse, regardez comment l'église est propre, regardez comment les choses sont, ah, je juge du service, du culte. Est-ce que seulement vous jugez de ce qui est ici, est-ce que vous reconnaissez ceux qui font cela, ceux qui font le sacrifice, afin que nous puissions être ce qu'on doit être, et c'est Dieu. Que et ceux et ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont par l'autel, 14 dit. Verset 14 dit, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile, à ceux qui annoncent de l'évangile, de vivre de l'évangile. De vivre de l'évangile. L'apôtre Paul était disponible. Il les servait. Et si l'apôtre a un besoin, que je dois passer un temps supplémentaire sur mon œuvre de fabrication de tentes, mais pour pouvoir mes besoins. Et Paul, de Tarse, Saul de Tarse s'est consacré pour tout faire. Lorsque vous avez besoin de lui, vous allez le voir. N'allez pas dire que il ne va pas commencer à penser que lorsqu'on finira le culte aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger? Et ils sont là pour servir. Et leur force n'est pas aussi forte que les membres. Les ministres doivent être aussi forts que les membres, aussi émotionnellement fort que les membres. Si les membres de l'église que nous servons, s'ils sont plus forts que nous, si les membres sont plus en bonne santé que nous, s'ils sont plus stables, si les membres sont plus joyeux que nous, quelque chose va mal. Nous devons équilibrer tout. Nous devons édifier et réveiller et aider nos ministres afin qu'ils soient forts et qu'ils nous servent plus au nom de Jésus-Christ. Et nous qui sommes ici, les gens qui sont dans l'église pour des années, on n'a pas besoin seulement de ministres. Vous aussi, vous dites que je suis disponible, je peux aider. Moi aussi, je peux te soutenir. Comme Aaron et Hur ont soutenu la main de Moïse. Alors, et la victoire était remportée pour toute la nation. Alors, voyons, verset 15. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin, et j'ai abandonné mon droit là-bas, mes provisions là-bas, oui, je l'ai laissé aller. Paul dit que, oui, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Et comment Paul s'entretenait-il? Il y a des gens dans d'autres assemblées, dans d'autres églises, qui savaient que l'apôtre Paul ne serait pas à tout moment à fabriquer des tentes. Donc il a besoin d'aide. Donc, il a le temps pour prier, pour préparer, pour faire tout, afin que spirituellement, il soit à la hauteur de la tâche. C'est pourquoi, voyons, Philippiens chapitre 4. Philippiens 4, 13. Philippiens 4, 13.
Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est l'apôtre Paul. Et dit, si je dois aller affamé jusqu'à ce que je prêche l'évangile, je peux. Si j'ai de la nourriture à manger, j'ai la force pour prêcher et que je prêche, je puis tout. Que je sois affamé, que je sois bien nourri, je puis tout. Par celui qui me fortifie, par Christ qui me fortifie. 14 dit, cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma défense. Lorsque les Corinthiens étaient négligents, les Philippiens disaient que oui, nous connaissons le besoin de cet homme. Il ne pouvait pas être sur le champ à tout moment faisant les tentes. Et que même, vous faites bien. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. 15. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile. Lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous, les Philippiens, vous regardez à tout moment, tout mouvement que je fais, je vais ici, je vais là, et les églises alors disaient que nous respectons Paul quand il viendra avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais vous là, vous êtes vraiment des gens qui considère, vous pensez bien, et vous m'avez donné plus que d'autres églises. Deuxième Corinthiens 8, 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Ouais, verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations, qui les ont éprouvés, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Alors, nous n'avons pas fait pression sur ces gens. Mais de tout leur cœur, ils ont dit que l'apôtre aura besoin de ceci. Nos prophètes et nos dirigeants, alors nos pasteurs de district, nos dirigeants auront besoin de ceci. Verset 4. Nous demandons alors avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils sont allés au-delà. Mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. C'est ce que les autres églises ont fait. Mais l'église de Corinthe, qui est venue et qui était bien nourrie spirituellement, alors ils sont attardés de donner les dons. Mais l'apôtre a dit, d'accord, je puis tout par Christ qui me fortifie. Mais il a donné l'exemple des autres qui sont venus aider. Je prie que vous soyez l'un de ceux qui aident. Je dis l'un de ceux qui aident. Je serai une aide. Je serai un soutien. Je serai un bon soutien. Et l'Évangile va prospérer au travers de nous, les ministres et les membres, au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant et remettons-nous entre les mains du Seigneur, que nous servions le Seigneur sans réserve, que tout ce que l'apôtre Paul nous a dit, que nous aussi nous levions et que nous jouons notre rôle, que vous jouez votre rôle, vous payez votre tête, votre dîme, et vos offrandes pour supporter l'église, que vous allez au-delà de dîmes et offrandes quand il y a un besoin spécial dans l'église locale, s'il y a un besoin dans la vie de nos ministres, dans la famille de nos ministres, vous venez et vous allez tout faire qu'on soutienne l'un et l'autre, qu'on donne au Seigneur, qu'on donne l'un à l'autre et que l'œuvre de Dieu prospère dans nos mains ensemble au nom de Jésus-Christ.